Bonjour à tous, c'est Franck, content de vous retrouver. Alors là, on va pas parler de self-défense directement, mais de réflexes. Parce que les réflexes, vous en avez besoin au quotidien, pour conduire, en moto, en vélo, dans votre vie quotidienne, au travail, pour récupérer un verre qui tombe, je ne sais quoi. Et on en a besoin aussi dans les arts martiaux, les sports de combat, et bien sûr pour la self-défense. Donc aujourd'hui, je suis avec Adrien, c'est l'Adrien. Donc Adrien est un sportif, comme vous le voyez, il pratique la série unique, il pratique, il n'y croyait pas, et maintenant, il a adhéré. Et il a bien voulu se prêter au jeu du réflexe. Parce qu'en fait, les réflexes, c'est comme un muscle, ça se travaille. Alors, il y a deux sortes de réflexes. Il y a les réflexes innés, ceux que vous avez naturellement, avec des gens qui ont plus de réflexes d'eau. Vous verrez pourquoi, il y a des raisons. Et puis, il y a le réflexe conditionné, le spécifique, qui est lié à un travail sur un stimuli. Et là, on va plus rentrer dans la technique, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Alors, les réflexes dans la globalité, c'est très simple. C'est lié à beaucoup de choses. Un, pour les améliorer, il faut travailler physiquement. Simplement avec des jeux comme des lancers de balles, comme des balles aux prisonniers, des choses qui vont vous faire réagir. En deuxième, on peut travailler l'aspect mental. Alors l'aspect mental, c'est plus par exemple sous forme de connexion œil, de la vision périphérique. Par exemple, je fixe quelque chose et j'essaye en fixant cette chose de voir ce qui se passe autour, de voir l'environnement. Ça va travailler votre concentration parce que vous allez voir que les réflexes passent essentiellement par le canal oculaire, par la vision. D'accord, si vous ne pouvez pas détecter la chose, vous ne pourrez pas avoir de réflexe. Ça passe par l'œil automatiquement. Et ensuite, il y a un moyen un peu plus perfectionné qui est par l'hypnose, la sophrologie. On va travailler lâcher prise pour se concentrer, être dans le moment présent par rapport à ce qu'on va vivre. Donc là, c'est plutôt général. Et enfin, je sais que ça va vous faire rire, très important, c'est l'hygiène de vie. Quelqu'un qui n'a pas de sommeil aura du mal à avoir des bons réflexes. Quelqu'un qui mange mal n'aura pas un corps en forme. Quelqu'un qui n'est pas entraîné sera moins réactif. Quelqu'un qui n'a pas de fibres rapides, qui n'entraîne pas les fibres rapides, aura un souci pour la réactivité, pour agir. En fait, quelqu'un qui est en forme, qui a un mental sain, qui a un corps sain, va réagir. Alors maintenant, on va travailler, ça c'était pour le général, on va travailler le spécifique. Le spécifique, c'est très simple, c'est une réponse physique, d'accord, le réflexe, c'est une réponse physique, mouvement, qui est liée en fait à une connexion avec un réseau nerveux. D'accord ? Il y a un réseau nerveux qui vient du cerveau qui fera qu'il y a un influx qui fera réagir votre corps par rapport à un stimuli qui peut être un coup de poing, un coup de pied ou un lancer de quelque chose. En fait, le cerveau va donner l'ordre par l'influx nerveux à faire un mouvement. D'accord ? C'est ce qu'on va dire. Alors, ce qui est paradoxal, c'est travailler dans la globalité le réflexe, c'est très compliqué. Par contre, travailler spécifiquement, c'est très simple. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va appliquer en fait un réflexe par rapport à une technique, on va travailler sur un direct, d'accord, sur un direct du gauche, on va prendre au hasard, on pourrait le faire sur le direct du droit, sur le crochet, sur un tas de choses. Sauf que là on va travailler sur un stimuli, pourquoi? Parce que l'objectif c'est faire voir où il en est au début et au bout de quelques minutes ce qu'il arrive à faire. D'accord? Donc maintenant on rentre dans l'action. Donc là j'ai pris des gants, non pas pour le taper, mais en fait parce que c'est gros et en fait son œil va se connecter sur le point blanc. Donc en fait, tu vas te mettre en garde, Adrien se met en garde, et en fait, je vais lui dire, moi, je vais mettre un coup, il va essayer de bloquer à sa façon. D'accord? Et vous allez voir, donc là, c'est l'étape 0, et on va passer à l'étape 5. Et à chaque fois, je vais lui donner une technique, une stratégie qui fait qu'il va améliorer ses réflexes sur un stimuli qui va être le direct du gauche. T'es prêt? Essaye de bloquer. Voilà. Donc, là, il a été touché, main ouverte, hein. Heureusement, je ne ferme pas le poing. Mais donc, quelqu'un qui va se mettre en garde face à lui, il va le toucher, vous avez vu, il monte son bras, mais pas suffisamment pour bloquer. Alors maintenant, je vais donner une technique à chaque fois, Adrien, et vous allez voir que petit à petit, je peux arriver à le toucher. C'est ça qui est intéressant. La première chose que je vais t'expliquer, Adrien, c'est que tu vas avancer tes bras. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait très bien que l'œil a une capacité de réactivité, hein, bien sûr, et quand je vais frapper, ce qu'il a regardé, vous avez vu ses yeux, ce qu'il a regardé, c'est mon poing. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et en fait, Adrien, en mettant ses mains devant ouvertes, un, il va relâcher son corps, relâche tes épaules, voilà. En relâchant ses épaules, la connexion cerveau-muscle va être beaucoup plus rapide. C'est le relâchement, le délire. La deuxième chose qu'il va faire, il va mettre ses mains devant, pourquoi? Pour attraper à la source mon poing. Donc je vais le frapper assez lentement au début pour qu'il s'entraîne et après je vais accélérer. Vous allez voir déjà, il va se connecter. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas bloquer avec cette main-là. Encore une fois, un stimuli, une seule réponse pour pas que le cerveau soit surchargé sur la défense. Donc je vous rappelle, il est relâché des épaules, il a les mains devant pour capter à la source parce que la distance est importante par rapport à l'œil, notion de réactivité, et surtout il ne regarde pas mon poing. T'es prêt? Ouais. Voilà. Voilà, il a suffi qu'il relâche ses épaules, qu'il avance ses mains. Voilà pourquoi je préconise en self-défense de toujours mettre les mains devant, parce que là il a chopé à la source. Et troisièmement, il n'a pas regardé mon poing, surtout pas.
qu'est-ce que je vais l'inviter à faire? Je vais l'inviter à regarder simplement mes épaules. Les boxeurs le savent, on lit dans la ligne d'épaule. Ce qui va bouger en premier, regardez, c'est mon épaule. Alors maintenant, Adrien, ce qu'il va faire, c'est qu'il a compris qu'il fallait mettre les mains devant, il a compris qu'il fallait être relâché, il a compris qu'il fallait pas regarder le poing. Il va se concentrer sur cette épaule. Et vous allez voir, vous avez vu, il a déjà bougé sa main avant. Ça veut dire qu'il a détecté la frappe. L'intérêt, c'est d'observer, non pas le corps dans sa globalité, mais observer le bon endroit. Et comme maintenant il est capté, il est concentré, eh ben il va bloquer. En quelques secondes, voire quelques minutes, il va arriver à bloquer. T'es prêt? Je vais aller plein pour. Voilà. Alors on avait un Adrien qui était débutant, que je punchais facilement, parce qu'il avait les mains près du corps comme en boxe, parce que là, une situation de sport, parce qu'il fait des sports de combat, donc il connaît, il est là, à une situation où ben, je passais facilement, parce que les mains étaient proches de lui. Deuxièmement, il a regardé mon poing, c'est pour ça que j'ai pris des gants blancs. Erreur énorme, il faut se connecter sur le corps. En fait, il faut regarder l'ensemble du corps. Et alors, ce que je vous explique, en fait, c'est que tout est question de connaissance, de stratégie. C'est pas que je suis meilleur que vous, c'est qu'on m'a appris. Et comme on m'a appris, maintenant je vous enseigne, je diffuse. C'est pour ça que quand je dis allez voir mes guides, c'est des guides. Je dis bien c'est des guides, je n'ai pas la vérité, mais je vous guide vers des choses qu'on m'a appris. Et maintenant je vous les apprends. C'est ça la vie, c'est le partage. C'est pour ça que j'aime partager, je prends que du plaisir. Parce que je me dis, bah, ce qu'on a fait pour moi, je fais pour vous. Alors le Adrien qui était débutant, que je touchais, remets tes mains ici. Tu vas essayer, remets-toi comme tu disais tout à l'heure. Voilà, il va essayer de bloquer. Regarde mes poings. Ben voilà, je le touche. Maintenant il avance, il se connecte sur l'épaule, regardez ses yeux, il se connecte. Sauf qu'imaginez qu'en quelques minutes, vous avez optimisé vos réflexes. Je suis honnête par rapport à un stimuli. Maintenant, si j'avais dit à Adrien, on finira là-dessus, mets-toi en garde. Sur cette technique-là, tu vas un coup bloquer à gauche, un coup à droite, un coup tu vas mettre ton coude, un coup tu vas esquiver. Son cerveau n'aura pas le temps de l'enregistrer. Parce qu'en stress, là on n'est pas en stress, c'est le cerveau reptilien qui va prendre le dessus. Et il n'est pas en capacité d'intellectualiser. Alors maintenant, si on voulait aller plus loin, je vous invite à le faire, vous faites un test très simple chez vous. C'est que vous faites ce travail, vous allez voir, vous allez bloquer. Parce qu'on est tous pareils, vous allez bloquer, vous allez dire « Waouh, super, c'est génial !» Et après, vous faites l'exercice suivant, vous faites des burpees. Vous connaissez les burpees, flexion, on saute, on fait des pompes. Si vous ne savez pas, aller voir mes guides, j'explique ce que c'est que les burpees. À un moment donné, vous allez tellement fatigué que vous ne pourrez plus vous connecter. Et là, je pourrais vous toucher, votre copain pourra vous toucher. Donc après, l'étape d'après, une fois qu'on l'a fait en confort comme on l'a fait avec Adrien, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on passe à l'étape supérieure où on se met en pré-fatigue. On épuise son corps pour se rapprocher de la réalité. Et là, c'est le paradis parce que vous allez voir qu'on progresse. Voilà, merci Adrien. Ce que je voulais vous dire, c'est important, parce que déjà la présence d'Adrien est importante, elle m'a permis de faire cette vidéo. Encore une fois, je le dis, il y a une équipe derrière, donc j'en profite pour les remercier. Et je vous remercie tous de nous suivre, parce que vous aussi, vous nous faites progresser. Et vous voyez, en quelques secondes, on a amélioré son potentiel. Donc si vous faites du Krav Maga, de la boxe, de la self-défense, quelle que soit l'activité, sachez que si vous travaillez par rapport à un stimuli et que vous mettez le protocole en place étape par étape, de manière pédagogique, le résultat est assuré. Tout est question de connaissance. C'est important. Il n'y a pas des gens meilleurs que vous, tout simplement, ils savent. Je vous dis à bientôt. Ciao.